Salut à tous, donc voilà la tombe de Daryl. Et là, hop, on se fait attaquer par un truc que les joueurs de FF9 reconnaîtront. L'espèce de chariot qui nous suit, je sais plus quand dans le jeu. Enfin, à un moment, il y a un chariot qui nous poursuit comme ça, on doit fuir. Et bien, c'est de là qu'il vient en fait, de FF6. Là on va utiliser le faiblisseur. Pour lui mettre une faiblesse. Hein. Le poison bio. Oula. Ça crée en fait ces perles. Ils ont mal traduit, ils ont traduit ça comme de la merde. Comme des chiens. Ils ont vraiment traduit ça comme de la merde. Ça s'appelle pas sacré, ouais, ça s'appelle perle en vrai. Enfin tant pis. On peut en faire tout un fromage. Vous voyez que le faiblisseur c'est vraiment un très bon objet. Et je vous l'avais pas dit, le mantra de Sabine, vous allez voir. En fait il soigne par rapport à ses propres points de vie à lui. Il soigne en fait un tiers de ses points de vie, parce que là il fait 233 et il a 699. Enfin en fait il soigne pas par rapport à un tiers, mais comment dire, sa vie divisée par le nombre de persos qu'il soigne quoi. Donc plus il a de vie, plus il soigne. Donc il soigne ce petit con. Enfin vu ce qu'il se soigne, ça va pas trop me déranger. Ça. Oula, il nous en a gelé un. Alors quand un ennemi est gelé, qu'est-ce qu'on fait? Un ami est gelé. On fait feu sur celui-ci, celle des gels. Ça réalise au moins. Le feu fait fondre la glace. Ça le blesse un petit peu, mais c'est pas grave. Enfin, le faites pas avec un gars qui a trop de boucles d'oreilles, etc. Donc voilà, assez faible hein, comme boss. Quand on sait jouer. Et voilà. Et là on ouvre une porte. Alors est-ce qu'il n'y a rien sur les côtés? Non. Merde, je me suis loupé. Des fois j'appuie sur les deux touches en même temps sans faire exprès. Et là on découvre. Vous allez voir. Le passé de Tetzer, ainsi qu'un nouveau vaisseau. Donc là on voit son passé en même temps. Merde, le son un petit peu plus fort.
Alors là, du coup, ils vont faire une course, hein, tous les deux. Pour gagner le faucon. Bon, le faucon, c'est un vaisseau, bien sûr. Donc là, on voit le vaisseau de cette terre et l'autre, c'est le faucon. Ça c'est le faucon. Donc là, il l'attend sur la colline. Et voilà, en fait, elle s'est crachée avec son vaisseau. Donc voilà, le passé de cette ère est assez génial aussi, je l'aime bien. Du coup, on a une nouvelle musique de vaisseau, c'est plus la même qu'avant. Elle est 10 fois mieux d'ailleurs. Avant, c'était le thème de cette zère. Et on a donc vous au vaisseau. Et voilà, un nouveau vaisseau. Et là, le jeu va devenir un truc de malade. Et là, on voit un petit oiseau. Et il est important, hein. Mine de rien. Donc là, on voit où il veut aller. Là, on reconnaît la forêt de Chocobo. On reconnaît, Mobitz. Là où il y a Terra. Ça bouge tout seul là. Donc là, je peux bouger maintenant par contre. Faire gaffe parce que quand on vole, on peut rencontrer un monstre qui s'appelle Doomguys, qui est vraiment chaud à base. Qui est assez particulier, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ah non, c'est Maranda, je sais pas. Donc alors là, je vous demande toute votre attention. Alors, est-ce que vous vous rappelez, avant la fin du monde bien sûr, qu'il y avait un mec dans cette ville qui était allongé dans son lit en fait, et qui pouvait pas lire la lettre que sa fiancée lui avait envoyée, on l'avait lu pour lui. Donc là c'est pareil, c'est toujours des pigeons. C'est la maison de la fiancée. Oui, Mobitz, c'est la ville où il y avait Pumbaba et tout ça qui est tout détruit. Voilà. La lettre. Et là, donc le pigeon il va la renvoyer à l'expéditeur. Donc on va voir où il est l'expéditeur. Donc là du coup c'est pas son fiancé en fait qui lui envoie les lettres puisqu'il est mort, hein, Mobitz est détruit. Mais c'est Sian apparemment. Donc là on regarde, faut regarder la carte. Et vous reconnaissez Zozo, entouré par les montagnes, Zozo la ville des voleurs. Voilà, Sian est à Zozo.
Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller directement voir Kafka et finir le jeu. Mais vous imaginez pas que c'est la fin du jeu. Là, on est un peu plus de la moitié. Il y a plein de quêtes annexes, tous les compagnons à récupérer. Plus de nouveaux cachés. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais on pourrait y aller maintenant. Bon, je vais quand même sauvegarder, parce que j'ai peur de tomber sur Doomguys. Merde, on pourrait pas sauvegarder ici. Je vais retourner à la tombe de Darif parce que j'ai pas mis le. J'ai récupéré les mots mais j'ai pas mis dans la tablette. Hop. Ah, ici c'est là. C'est musique sans fantôme. Ouais. Donc lui, je vais me le faire en 5 secondes. Je vais rien comprendre. Ouais. Ah bah, amulette, ça protège contre zombies, justement. Si je me trompe pas. Voilà. Et du coup, on peut faire un truc. Donc là, vous vous dites, ça veut rien dire. Ah bah si, ils l'ont traduit en fait. Et ben, lisez à l'envers. Alors là, ça fait le mot. Le monde est... Voilà, lisez à l'envers, ça fait le monde est Square. Donc les gars qui se la pètent pas trop, déjà, Squaresoft. Il faut lire de droite à gauche, hein. Voilà, comme de la RAM. Et destroyer le voilà. Ça servait juste en fait à savoir que. Qu'il y a un œuf surprise caché. Donc voilà, c'est juste une histoire de vous montrer. Hein, pour pas que vous disiez que j'ai oublié un truc. Ah, tiens, je les avais pas vus. Il me faudra pour Go de toute façon. Donc je compte pas apprendre tous les trucs à Go parce que ça va me prendre des années. Hein. Même hors vidéo. Avoir de la chance de tomber sur les ennemis, etc. Donc, on va aller à machin. Warsian. C'est quoi cet endroit déjà? Attends, là c'est ouais. J'espère que le point à l'autre point c'est quoi là? Voilà. Donc ça c'est la tour des fanatiques, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut voir ici. Il y a une quête optionnelle mais il y a aussi un des persos. Enfin on voit Strago, mais on peut pas l'avoir hein, maintenant. Parce qu'on peut pas lui parler là, j'appuie, ça fait rien. Donc je pourrais payer 100 000 juste, mais ça serait con parce que c'est un pareil d'un trésor qu'à tous les coups je connais déjà. Donc, donc cette tour on pourra y aller. Pour Arstrago en fait faut venir avec Realm, sa fille, enfin sa sous-entendue fille. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ah oui voilà, allez voir Sienne à Gogo. Gogo. Zozo, pas Gogo. Enfin, Gogo ça existe, c'est un perso. Qu'un nom de con, je l'avoue. Donc ça c'est le Velt, la grande plaine. Voilà ce qu'elle est devenue. Hein. Bon mais c'est où Zozo putain? Ça doit être... attends. Là-bas ouais. Logiquement. Ouais c'est ça. Donc voilà Zozo. Mais les trucs des tentes là ça m'énerve parce que je suis sûr qu'il y a plein de tentes différentes d'habitude.
Mais non, c'est encore une tente verte. Je comprends plus rien. Bon, tant pis. Et nous voilà de retour à gogo avec le pigeon. Il s'envole vers le haut là. Ils disent que des conneries. C'est gros menteur de base. J'ai jamais entendu parler, alors qu'on y est. Bon, il y a encore les ennemis par contre. Donc, eux ils font magnitude 8 quand on les bute, hein, je vous rappelle. Je vous l'avais pas montré pour pas crever avant, mais maintenant ça... je pense plus que ça me tue en un coup maintenant. Ouais, maintenant ça me fait quasiment plus rien. Mais avant ça, ça me tue un coup. C'est pour ça que je les avais pas combattus. Il faudra revenir pour la prendre extra go. Donc ça, on s'en fout. Hein. Oh merde, je vais le faire ou quoi? Je m'en rappelle même plus de l'heure du coup. Je crois que c'était 10 là. Et 50 à la fin. Et le premier, je m'en rappelle plus. De toute façon, on s'en fout, on a déjà vu. Ouais, bah je vais arrêter la vidéo là, je pense. Donc je m'occupe d'eux. Mais apparemment, les ennemis, ils ont pas changé ici. Ils sont toujours. Ouais, c'est exactement les mêmes qu'avant. Hein. Voilà. Donc j'ai arrêté là. J'espère que ça va vous plaire la suite parce que c'est pas moins bien que le reste, hein, c'est mieux. On va d'abord récupérer chaque perso. Ensuite je vais faire toutes les quêtes annexes. Je vais vous montrer tous les secrets du jeu. Oui, parce que je compte tout montrer. Et ensuite ça sera la tour de Kafka. Donc il y en a encore pour quelques dizaines de vidéos à mon avis, hein, c'est pas la fin. Donc allez, à plus.